Bonjour, Thierry Renard, dirigeant de l'entreprise CTR, couverture en chaume. Notre activité, c'est principalement donc la couverture en chaume, neuf, rénovation et entretien dans tout le Grand Ouest de la France. Le roseau est une plante qui pousse naturellement dans les roselières. C'est un phragmite qui est creux à l'intérieur et par tubes successifs tous les 10-15 cm, ce qui fait que on va dire que si on voulait comparer avec un isolant, c'est un petit peu comme du bulpac, donc un très très bon isolant. Le gros avantage de ce matériau, c'est que justement on va travailler en isolation par l'extérieur, c'est-à-dire qu'on va avoir de la gain de place à l'intérieur des maisons. Et on va avoir une très bonne isolation thermique, mais aussi phonique. C'est-à-dire qu'on n'entend ni la pluie, ni le vent. Et thermique, c'est-à-dire qu'avec 40 cm, on respecte la RT 2012. Donc le roseau est posé, le pied vers le bas et la tête vers le haut, les plumeaux. Et il existe deux grandes méthodes de pose principales. La verticale qui se fait de moins en moins et puis l'horizontale qui est ici, c'est-à-dire ce sont des couches successives horizontales où on va travailler sur une grande partie du toit. Et ce sont des barres qui viennent mettre le roseau en pression avec des fils de fer qui sont fixés sur la charpente. La durée de vie d'une toiture, on va avoir plusieurs facteurs qui vont faire varier cette durée de vie. En moyenne, on est entre 30 et 50 ans. Ça va dépendre de la pente de toit, de l'environnement et de l'entretien qu'il en est fait. Donc l'entreprise a été fondée en janvier 2000, ça fait 17 ans maintenant. Je suis meilleur apprenti de France et maître artisan en métier d'art. Eh bien écoutez, n'hésitez pas à nous contacter pour la réalisation de vos projets. À bientôt.